Alors maintenant, nous allons tout simplement passer à la deuxième vidéo et cette deuxième vidéo porte sur le calcul des limites des suites. Alors déjà pour commencer, en fait, lorsqu'on te demande de calculer la limite d'une suite, c'est en fait une méthode pour savoir si tu as fait à une suite convergente ou bien tu as fait à une suite divergente. Donc, il y en a plusieurs, mais premièrement, on va d'abord commencer par voir celle-ci et les autres au fur et à mesure. Donc, chaque fois que tu vas calculer la limite d'une suite, remarque par exemple, qu'est-ce qu'on sait? On a déjà pu exprimer U de n en fonction de n. Suppose que je te dis que j'ai une suite, par exemple, U de n qui est quelque chose comme, disons, 2n plus 4 sur, disons, moins n carré plus 3. Et peut-être que j'ai V de n qui est 5n plus 9 sur 2n moins 2. Suppose que ici j'ai deux suites. C'est l'expression de V de n et U de n en fonction de n. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux calculer la limite en fait de cette suite et savoir si là j'ai affaire à une suite convergente ou à une suite divergente. Retiens déjà qu'ici, alors qu'est-ce qu'on doit savoir à ce sujet? Que tu dois savoir que si tu as une suite U de n, si tu calcules la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ta suite U de n et que ça te donne par exemple un A. A est un réel. Ça veut dire quoi? Si tu calcules la limite, ça te donne 2, ça te donne 3. L'essentiel, c'est que ça te donne un réel. Dans ces cas de figure, on va tout simplement dire que, alors, on va tout simplement dire que notre suite U de n est convergente. Elle est convergente et converge vers, et elle va donc converger vers la limite que tu as trouvée. Donc, dans ce cas de figure, elle converge vers A. OK. Ça, c'est le premier cas. Avant d'appliquer, passons maintenant, par exemple, si tu calcules plus ta limite, tu trouves quelque chose comme plus infini, comme moins infini, ou tout simplement que ta limite n'existe pas. Par exemple, la limite, c'est ici. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini de moins 1 à la puissance n sur limite qui n'existe pas. Donc, si maintenant, la deuxième chose que tu dois connaître, si limite, lorsque n tend vers plus l'infini de ton u de n, c'est plutôt l'infini. Ou alors, si la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de ton u de n, n'existe pas. Alors, si ça n'existe pas, alors on va tout simplement dire que notre suite est divergente. Est divergente. Donc, soit tu auras toujours affaire à une suite divergente, soit tu auras toujours affaire à une suite convergente. Et dans ce cas de figure, parfois, si on te demande, est-ce qu'on a fait une suite divergente convergente, si tu peux calculer la limite, alors tu utilises la limite. Si c'est un réel, elle converge vers ce réel. Si c'est plus infini ou bien ça n'existe pas, on conclut tout simplement que notre suite est divergente. Prenons le cas, c'est que nos deux suites. Alors, suppose que je veux calculer, en fait, je veux vérifier. Je veux calculer, je commence par la limite C. Maintenant, lorsque n tend vers plus l'infini de u de n, ça serait quoi? Ça serait donc la limite de 2n plus 4 sur le moins n carré plus 3. Alors, avant de continuer ici, remarque un nota bene. Le nota bene, c'est tout simplement de remarquer que les propriétés qui s'appliquent aux fonctions lors du calcul de la limite s'appliquent aux suites. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, que si tu calcules la limite lorsque n tend vers plus l'infini de u de n et que ça te donne, par exemple, a, et que tu calcules la limite lorsque n tend vers plus l'infini de v de n, ça te donne b. Ce sont deux réels. A et B sont des réels. Alors, les propriétés, qu'est-ce qu'on sait sur les fonctions? Si j'ai peut-être la limite lorsque n tend vers plus l'infini de leur somme, donc de U de n plus le V de n, ça serait tout simplement la somme des limites trouvées. Si maintenant tu as plutôt le rapport, donc lorsque n tend vers plus l'infini de U de n sur V de n, ça serait tout simplement A sur B. Donc, il faut que B soit différent de 0. Ainsi de suite, si tu as le produit, donc toutes les règles, les propriétés que tu connais sur les fonctions vont également s'appliquer sur les suites lorsque tu calcules leurs limites. Que ce soit sur les polynômes, sur les fonctions exponentielles, sur les fonctions logarithmiques, tout s'applique sur les suites. Par exemple, ici, j'ai affaire à une fonction rationnelle. Lorsqu'on calcule la limite d'une fonction rationnelle, on a dit tout simplement que c'est la limite du monome depuis haut degré. Donc, ça, c'est la limite. Or, ici, quel est le monome depuis haut degré? C'est 2m sur le monome depuis haut degré du dénominateur, n au carré. Donc, ça serait tout simplement la limite lorsque n tend vers plus l'infini de
2 sur n. Or, en plus, l'infini, 2 sur l'infini, c'est quoi? C'est 0. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la suite u de n est convergente et elle converge vers 0. C'est tout simplement comme ceci que tu procèdes. Regarde ton v de n. Si tu as peut-être la limite de v de n, c'est quoi? Mon nombre de pur degré, ça serait 5n sur 2n. Donc, ça serait tout simplement 5 demi. Elle est convergente et elle converge vers 5 demi. Prenons notre cas. Suppose, par exemple, que le carré, si en fait, se trouvait plutôt ici en haut. Si ça se trouvait ici en haut, ça veut dire quoi? Ici, tu as le carré. Donc, le carré se trouve ici. Alors, ici, on devait rester plutôt avec moins 2n. La limite devait devenir quoi? La limite devait devenir moins l'infini. Or, si c'est moins l'infini maintenant, on va dire quoi? U de n est une suite divergente. Donc, voilà comment est-ce que tu procèdes pour savoir en utilisant les limites si tu as fait une suite convergente ou bien une suite divergente. Une petite remarque, une autre chose que tu as retenue, c'est par exemple, suppose que tu as quelque chose comme ceci. Tu as quelque chose comme la limite de lorsque n tend vers plus l'infini de valeur absolue de u de n moins 1 qui te donne 0. Dans ce cas de figure, la limite de u de n sera égale à 1. Donc, si tu peux montrer ou bien si tu arrives à établir ceci, on va dire dans notre u de n est convergente. Converge vers. Elle va converger vers quoi? Vers 1. Ou bien si tu as plutôt quelque chose comme ça. Si tu as un autre cas de figure, suppose que tu as plutôt affaire. À la fin, tu trouves limite lorsque n tend vers plus l'infini de u de n moins 1 inférieur ou égal à 1v. Et que tu as montré que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ton v, c'est 0. On va également dire quoi? On va également dire que u de n converge. Donc, u de n converge vers 1. Alors maintenant, on passe à l'exercice d'application pour que tu puisses voir comment est-ce qu'on applique cela. À la première question, on nous demande d'étudier la convergence de chacune des suites définies par en A, tu as U de N, donc en B, en C et en D. OK, c'est déjà au tableau. Alors, je veux tout simplement étudier. Quand on dit étudier la convergence d'une suite, ça ne veut pas forcément dire qu'elle serait convergente. Ça veut dire que est-ce qu'elle est convergente ou est-ce qu'elle est divergente. Donc, ici, voici quatre expressions qu'on nous a données de U de N. Donc, ici, on va procéder par ce qu'on vient de voir, tout simplement par le calcul des limites. Allons-y. En A, je veux quoi? La limite lorsque n tend vers plus l'infini de U de N, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus ln de 2n sur ln de 3 à la puissance n moins le n carré. OK, j'ai ceci. Alors ici, comment est-ce qu'on procède? On commence par calculer directement la limite. Si j'ai plus l'infini, plus l'infini. Ici en bas, on aura. Donc, on va d'abord essayer d'écrire ça plus simplement. Ça dit quoi? Ça dit tout simplement que je peux écrire ceci comme parce que ici, j'aurai moins l'infini plus l'infini. Donc, ça te donne une forme indéterminée. Maintenant, si tu appliques les propriétés du logarithme, donc ln de AB, c'est quoi? Ln de A plus ln de B. Ln de A à la puissance n, c'est n ln de A. Donc, si je veux appliquer ceci, ça veut dire que c'est encore tout simplement la limite de n plus le ln de 2 plus le ln de n. Ici en bas, on aura n, ln de 3 moins le n au carré. OK. À ce niveau, ce qu'on va faire, c'est mettre le n en facteur pour pouvoir simplifier et élever l'indétermination. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que cette limite, je peux encore dire. Si je mets mon n en facteur ici, on aura 1 plus ln de 2 sur n plus ln de n sur n. Ici, on aura n ln de 3 moins le n. OK, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner la limite lorsque n tend vers plus l'infini de, je simplifie le n, j'aurai 1 plus le ln de 2 sur n plus le ln de n sur n, et si j'ai ln de 3 moins n. OK. Remarque quoi? On a dit quoi? Rappelle-toi que la limite lorsque x tend vers
plus l'infini de ln de x sur x, c'est tout simplement 0 parce que ln est plus petit que x. Ce qui fait quoi? La limite, si ça sera égal à 1, en plus l'infini, ceci va donner 0. 1 réel sur l'infini, ça donne 0. Donc ici, on va rester avec quoi en haut? La limite en plus l'infini, ça sera 1. Ici, là, la limite en plus l'infini, ça serait moins l'infini. Or, 1 réel sur l'infini, ça va tout simplement donner 0. Donc, on va conclure tout simplement que notre U de N est convergente et converge vers 0. OK. Allons-y au deuxième cas de figure. En B, on m'a dit limite lorsque N tend vers plus l'infini de U de N est égal à N cosinus de N de pi sur 2. Alors, qu'est-ce que je sais déjà? Je sais que cosinus est compris entre quoi? N'oubliez pas que cosinus de x n'admet pas de limite en plus l'infini. Donc, chaque fois que vous avez cosinus que vous voulez calculer la limite en l'infini, il faudra en fait essayer d'encadrer. Donc, pour encadrer l'expression et calculer les limites aux bornes et appliquer le théorème des gendarmes. C'est-à-dire quoi? Cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Si je multiplie par le n est comment? Il est positif, ce qui fait que ce sont les entiers naturels. Je multiplie par ce n, il est positif. Ce qui fait qu'en multipliant par n, qu'est-ce que je fais? Je ne change pas le sens des inégalités. Donc, j'aurai moins n inférieur ou égal à n cosinus de n2 pi sur 2 inférieur ou égal à n. Alors, remarque, la limite, c'est lorsque n tend vers plus l'infini de ceci, c'est quoi? Moins l'infini, tandis que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n, c'est plus l'infini. Comme la limite, cela est différente de celle-ci, on ne peut pas appliquer le théorème des gendarmes. Donc, on va tout simplement dire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 1, c'est bien différent de la limite de n quand ça tend vers plus l'infini de n. Donc, c'est différent de ceci. Donc, on va tout simplement dire que notre U de n est divergente ou diverge. Parce que si la limite est donnée, par exemple, 1 moins l'infini ou plus l'infini, et on avait la même chose ici, on appliquait le théorème des gendarmes, ceci serait la même limite. Mais si ce n'est pas le cas, donc la suite est divergente. Maintenant, on sait, on veut tout simplement la limite de lorsque n tend vers plus l'infini des racines de 2n carré plus 16n plus 1 moins le n racine de 2. OK. Alors, on commence. En plus l'infini, j'ai plus l'infini moins l'infini formé les derniers. Donc, on va conjuguer. Parce qu'en élevant ceci au carré, on aura 2n carré. Et en élevant ceci au carré, on aura 2n carré. Et le signe fait que ça va partir. Donc, je pense qu'on peut écrire ça comme la limite lorsque n tend vers plus l'infini de. Je multiplie 2n carré plus 5n plus 1 moins n racine de 2 facteur de 2n carré plus 5n plus 1 plus n racine de 2. Donc, ici en bas, comme j'ai ajouté ça, je remets tout simplement la même expression. 2n plus 1 plus n racine de 2. Donc, c'est dit quoi? Ça serait la limite lorsque n tend vers plus l'infini de a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré. Or, ceci au carré, la racine saute, ça va rester avec ceci, moins b carré, n au carré, et racine de 2 au carré, ça fait 2n au carré. Bien. À ce niveau, je peux donc simplifier, en fait, éliminer le 2n carré. Ça veut dire que ici, je reste avec 5n plus 1 sur racine de 2n carré plus 16n plus 1 plus 2 racine de 2n. Bien. Maintenant, j'ai toujours plus infini sur plus infini pour me déterminer. Donc, ce qu'on va faire, c'est maintenant mettre le n en facteur. Parce qu'ici, on n'a plus l'indétermination, mais comme il y a n, on peut mettre le n ici en facteur. C'est-à-dire que je peux écrire ceci comme lorsque n tend vers plus l'infini. Ici, on reste, si je mets n en facteur, j'ai 5 plus 1 sur n. Et ici en bas, dans la racine, je mets le n carré en facteur, j'ai 2 plus 5 sur n plus 1 sur n carré. Et ici, ça va me faire plus n racine de 2. Donc, si on met
Si on a rangé, ça va nous faire limite lorsque n tend vers plus l'infini de n facteur de 5 plus 1 sur n. Et ici en bas, j'ai quoi? Je fais sortir le n carré, ça fait valeur absolue de n carré. Valeur absolue de n, pardon. Maintenant, racine de 2 plus 5 sur n plus 1 sur n carré plus n racine de 2. Or, comme on tend vers plus l'infini, l'expression c'est positive. Donc, je peux retirer la valeur absolue. Donc, je mets le n en facteur, ça va faire quoi? Limite lorsque n tend vers plus l'infini de n sur 5 plus 1 sur n. Et ici en bas, je mets n facteur de 2 plus 5 sur n plus 1 sur n carré plus racine de 2. Je peux donc simplifier ceci. Maintenant, la limite si c'est 0 en plus infini, il reste donc en haut avec 5. La limite si c'est 0, 0, j'ai donc racine de 2 ici, j'ai plus racine de 2. Donc, on va tout simplement dire que on aura 5 sur 2 racine de 2. Donc, si on met racine de 2 ici, fois 2, je vais dire que ça va me faire 5 racine de 2 sur, donc je mets racine de 2 ici, sur 2 fois 2. Donc, on reste avec 5 racines de 2 sur 4. Voici tout simplement notre limite. Maintenant, comme on a trouvé que la limite selon réel, ça veut tout simplement dire que notre figure L est convergente. Essayons le dernier cas de figure. Alors, pour le dernier cas, on veut la limite de lorsque n tend vers plus l'infini de n à la puissance 5 plus exponentielle 5 sur n à la puissance 5 moins exponentielle 5. OK. Exponentielle est plus grande qu'une fonction polynôme. La limite, si c'est plus l'infini sur moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Ce qu'on va faire, c'est se rappeler tout simplement que si j'ai par exemple ceci, la limite lorsque n ou bien lorsque x tend vers plus l'infini de 1, par exemple, x à la puissance a sur exponentielle x, c'est tout simplement égal à 0. Parce que exponentielle est plus grande que les fonctions polynômes. Et ici, A doit être positif. Allons-y. Si je veux ça, je vais créer ceci en mi-temps. En mi-temps, exponentielle en facteur, c'est dit que c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Exponentielle n, ici j'ai 1 plus e sur exponentielle n, ici j'ai moins 1 plus e sur exponentielle n. Donc, on va simplifier les exponentielles n, ça va tout simplement, on va rester avec 1 sur 2, n à la puissance 5 sur exponentielle n, moins 1 plus exponentielle n. Donc, ça va faire 0, ça va faire 0, je reste avec 1 sur moins 1, la limite c'est tout simplement moins 1, donc j'ai fait ensuite convergence. Très bien, maintenant passons à la deuxième question, là où on nous dit la suite U est définie pour tout entier naturel non nul par U de N qui est égal à N sur N carré plus N sur N carré plus 1 jusqu'à N sur N carré plus 2N plus 1. Alors en A, on nous demande de calculer les deux premiers termes de la suite U de N. Ok. Alors ici, pour commencer, remarquez déjà, lorsque vous avez à faire une expression comme ça, vous faites tout simplement une somme. Donc, je peux écrire U de N d'une autre façon. Bon, U de N, c'est quoi? C'est la somme pour K. Qu'est-ce qui change ici là? Ici, je vois que ça, c'est encore quoi? On peut dire plus 0, plus 1, plus jusqu'à plus 2, jusqu'à plus 2N, plus 2N, plus 1. Donc ici, c'est la somme pour K qui tend de 0 jusqu'à quoi? La dernière valeur, c'est 2n plus 1. Voici ce qu'on augmente en dernier à quoi? Ici, on a n sur le n carré plus le k. Pourquoi? Si je prends k égale à 0, ça fait ceci, 0. K égale à 1, ça fait ceci, ainsi de suite, jusqu'à la dernière valeur, 2n plus 1, ça va faire n carré plus le 2n plus 1. Maintenant, à la question B, on te demande de montrer que pour tout entier naturel N appartenant à grand N étoile, l'autre U de N est compris entre 2N sur N plus 1 et 2 facteurs de N plus 1 sur N.
OK. Alors, ici, pour montrer ceci, chaque fois que vous aurez fait une somme comme ceci, remarquez que ce qui varie, c'est le cas qui varie de 0 à 2n plus 1. Ça veut dire que quoi? Ça veut tout simplement dire que je peux dire que mon k est compris entre quoi? Entre 0 et 2n plus 1. K se déplace de 0 jusqu'à 2n plus 1. J'essaie de créer le u de n, donc j'ai déjà le k. J'ajoute le n carré. Donc ici, on va dire quoi? N carré compris entre n carré plus k ici. N carré plus 2n plus 1. Ensuite, qu'est-ce que je remarque? Ça, là, c'est encore quoi? Ça, c'est tout simplement, l'expression, c'est encore tout simplement n plus 1 au carré. OK. À part ça, c'est l'inverse. Donc, d'abord, il faut inverser ceci. Comme ça, c'est n plus au carré. Si j'inverse, je viens, je le mets ici, au carré. L'inverse de ceci et l'inverse de ceci. Maintenant que j'ai, il reste ceci, il reste n. Donc, je mets n ici, j'ai n plus 1 au carré inférieur égal à n sur le n carré plus k. Et ici, j'ai n sur le n carré. Maintenant, on peut remarquer que n sur n carré, si je simplifie par n, j'obtiens 1 sur n. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste la somme. Vous mettez juste la somme partout. Donc, la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2n plus 1 de n sur n plus 1, le tout au carré. Et ici, la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2n plus 1 de n sur n au carré plus k. Et ici, c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2n plus 1 de 1 sur n. Bien. Maintenant que j'ai ceci, cette somme, c'est quoi? C'est notre u de n. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que je peux encore écrire ceci comment? Ceci-là, c'est le u de n. Donc, je passe bien. Donc, nous sommes à ce niveau. C'est-à-dire que mon u de n. Maintenant, ici, c'est quoi? Il n'y a pas de k. Donc, la somme, si c'est l'expression, c'est qui sera répétée encore, encore, chaque fois qu'on va donner la valeur à k jusqu'à 2n plus 1. Comme il n'y a pas de k, ce qu'on fait ici, c'est qu'on remet l'expression et on remet, c'est répéter un nombre de fois qui est quoi? Pour trouver le nombre de fois, tu fais 2n plus 1 moins le premier terme, moins 0 plus 1. Donc, tu prends et ce qui se trouve ici en haut. Le dernier thème, l'indice du dernier thème, 2n plus 1, moins l'indice du premier thème qui est 0 plus 1, comme on a vu dans la première vidéo. Et si on fait la même chose, c'est la même expression qui est répétée un nombre de fois, qui est quoi? L'indice du dernier thème, moins le premier plus 1. Or, ceci, c'est dit tout simplement, j'ai 2n plus 2 sur n plus 1 le tout, au carré inférieur à u de n. Ici, j'ai 2n plus 2 sur n. Bien. Si je mets un facteur, je fais sortir le 2. 2n facteur de n plus 1 sur n plus 1 au carré u de n. Et ici, 2 facteur de n plus 1 sur n. Donc, je peux simplifier n plus 1 ici. Je reste avec 2n sur n plus 1 le tout au carré inférieur à u de n qui est inférieur à 2 facteur de n plus 1 sur n. Et c'est bien quoi? C'est bien ce que je veux. Pardon. Un carré par. Comme on a simplifié. On a simplifié ceci. C'est bien ce que je voulais démontrer. Maintenant, à la question 100, on nous demande d'en déduire que la suite est convergente et de calculer sa limite. Alors, remarquez quoi? En déduire, c'est utilisant le résultat précédent. J'ai montré tout simplement que la suite, c'est comment? Elle a une valeur inférieure, une valeur supérieure. Donc, elle est bornée. Chaque fois qu'une suite est bornée, forcément, elle converge. Donc, pour qu'une suite puisse être divergente, il faut qu'elle soit ni majorée par quelque chose dont il y a une plus grande valeur, ni minorée. Or, quand une suite est minorée et majorée, elle est bornée. Donc, forcément, elle sera convergente. Donc, ici, c'est juste dit pour justifier. On va dire que d'après la question B, D'après la question B, qu'est-ce que j'ai? U de n est compris entre 2n sur n plus 1 et 2 facteurs de n plus 1 sur n.
Donc, U de N est borné. Or, chaque fois qu'une suite sera bornée, on va tout simplement conclure qu'elle est convergente. Et si elle n'est ni bornée, donc ni minorée, ni majorée, elle sera divergente. Donc, U de N est convergente. Maintenant, pour calculer la limite de la suite, c'est comme on a encadré. Calcule la limite. Tu calcules la limite de 2n sur le n plus 1. C'est-à-dire quoi? La limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2n sur n. Donc, ça serait tout simplement 2. Tu fais la même chose de l'autre côté. Lorsque n tend vers plus l'infini, c'est quoi ici? 2n plus 2 sur n. Donc, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2n sur n, c'est bien 2. Chaque fois que ça va de la même expression, tu peux utiliser le théorème des gendarmes. C'est-à-dire quoi? On va dire limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2n sur n plus 1 est égal à limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2n plus 2. Et 2n n qui est égal à 2. D'après le théorème des. Donc, c'est un théorème qu'on utilise beaucoup lorsqu'on calcule les limites des suites. Le théorème des gendarmes. Forcément, j'aurai limite lorsque n tend vers plus l'infini de U de n qui sera égal à 2 également. Donc, c'est normal. Si la limite qui est ici c'est 2, lorsqu'on prend les valeurs de plus en plus grandes et qui est ici c'est 2, forcément celui qui est au sinus est également 2.